Ah, s'il y a un point de détail, c'est que idéalement, il faudrait que vous coupiez vos micros pour l'instant et ensuite, quand on démarrera le débat, évidemment, vous pourrez le rallumer. Et pour prendre la parole, pour que ce soit un peu plus simple, si vous pouvez utiliser le bouton réaction et lever la main, comme ça, on sait dans quel ordre les personnes ont demandé à prendre la parole et ça nous permet de la distribuer plus équitablement. Merci d'avance. À toi la parole. Bon, ben, je suis prof j'étais professeur de biotechnologie à Strasbourg. J'ai pris ma retraite en fait il y a 5 ans et en prenant la retraite, je me suis plus orienté entre guillemets avec un groupe de vieux profs aussi en intégrité scientifique, en éthique. Donc, on a formé une équipe qui organise un peu les cours à Paris Cité sur cette problématique. Et à côté de ça, j'ai continué un peu mon travail de recherche, mais plus du tout à la paillasse. Alors, j'ai une formation en mathématiques, informatique et en biologie. Et en fait, j'avais commencé à travailler sur l'IA, l'interface de la biologie, dans les années 80. Quand j'étais au CNRS à Montpellier, à l'intérieur d'un réseau qui s'appelait Application de l'IA à la robotique et à la biologie. Bon, alors, je vais essayer d'être bref, mais Glenn peut me couper quand il veut. C'est une présentation qui peut être d'une certaine manière non consensuelle, dans un certain nombre de définitions, donc elle pourra être discutée. Et l'idée, c'était de voir quelles étaient les bases de ce qu'on appelle en fait l'IA, les sciences cognitives, la cybernétique, qui sont parties en fait d'un tronc commun et qui se sont après un peu séparées au cours en fait des 40-50 dernières années. Alors la première... Pardon. La première chose, c'est que la question un peu au départ, c'était de comprendre les processus cognitifs. Et la difficulté, c'est que quand on parle de processus cognitifs, on parle de processus cognitifs de haut niveau, c'est-à-dire la perception, la manière de penser, etc. Donc, ce que je voulais faire là, c'est donner en fait une définition d'un processus cognitif en fait extrêmement simple, qui serait en fait une brique de base qu'on peut itérer et en l'itérant donne en fait des processus cognitifs qui pourraient être beaucoup plus complexes. Donc, ce que j'ai défini comme processus cognitif, c'est le fait que face à un certain nombre de stimuli internes, on a une acquisition d'informations sur ces stimuli. Cet ensemble d'informations est traité et en fonction en fait de ce traitement, on arrive vers des actionneurs. Alors, si on prend ça au niveau d'une cellule, c'est les récepteurs cellulaires, c'est le traitement du signal après stimulation de ces récepteurs cellulaires et un certain nombre d'actionneurs, c'est-à-dire le fait qu'on va modifier le métabolisme de la cellule, on va changer structurellement la cellule, etc. On est loin du concept de processus cognitif qui est la perception, les cinq sens. Mais en fait, si, un peu comme dans un processus fractal, si on itère en fait ce type de fonction extrêmement simple, on peut arriver à des niveaux de complexité qui représentent le processus cognitif tel que on en entend parler classiquement. Donc à ce moment-là, donc en fait, il faut trois choses, c'est enfin quatre choses. Il faut un mécanisme d'acquisition d'information, un mécanisme de traitement de cette information, un mécanisme de stockage de l'information et en fonction du traitement de l'information, une action ou plusieurs actions. Et donc dans ce cas-là, l'intelligence, elle est définie comme étant la capacité de capter des informations, de les stocker, de les traiter et d'utiliser le résultat de ces traitements pour déclencher une action. Avec cette définition, pratiquement toute structure vivante est intelligente parce qu'elle est capable de traiter de l'information. Et en fonction des différents niveaux de complexité, c'est-à-dire si on s'adresse en fait à des cellules agissant de manière synergique
pour capter une information, la traiter et faire une action. Donc, en passant en fait des cellules jusqu'aux organites, jusqu'aux tissus, jusqu'aux organes et jusqu'au système physiologique et à l'individu, on veut en fait complexifier ce concept d'intelligence et donc ouvrir la porte en fait à X formes d'intelligence. Et donc pas une seule définition de l'intelligence. On va retrouver un peu les discussions qu'on trouve en sciences cognitives. L'intérêt de faire cette définition, c'est qu'on peut donner des caractéristiques quantitatives et pouvoir avoir des capacités de mesure et de modélisation de ces processus cognitifs de base. Donc, c'est les caractéristiques des capteurs, c'est la capacité de stockage, c'est la capacité de calcul au niveau du traitement du signal et c'est les caractéristiques des actionneurs. Le deuxième point, c'est dans les années 60 jusqu'en 72, Gordon Pask, qui est un cybernéticien, modèle le concept de conversation. En fait, il essaie de comprendre comment on fait pour apprendre. Et il essaie de démontrer que l'apprentissage, ça passe obligatoirement par une conversation entre deux individus, à minima, et à travers cette conversation, donc un aller-retour entre les deux individus, il y a modification de leur connaissance, de leur manière de penser, et on imagine assez facilement donc l'émergence d'empathie, sympathie, compassion, disputatio, controverse, et dans le domaine de la science, des constructions de connaissances certifiées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra attendre en fait pratiquement ces dernières années pour objectiver ce concept en faisant des imageries de cerveau où on est capable maintenant de regarder les axones actifs ou le connectome actif d'un cerveau et de regarder comment ce connectome, en fait, ces connexions en fait des neurones se modifient, l'activité de ces connexions se modifie en fonction de la conversation, d'une conversation entre deux individus. Et ça a été appelé récemment, entre autres par Denis Le Bihan, mais par un certain nombre de scientifiques travaillant sur l'imagerie du cerveau, le connectome social, et donc cette capacité en fait de modifier sa manière de, je dirais, de penser ou de raisonner en fonction des discussions qu'on a. Donc, dès le départ, et ça fait, enfin, je dirais presque depuis les philosophes grecs, il y a un essai à la fois de compréhension de la manière de penser de l'être humain. Et il va y avoir en gros deux pistes qui se dégagent progressivement. C'est un, essayer de comprendre cette fonction de la pensée humaine, ou bien, à l'inverse, en fait, de partir d'éléments et de construire une machine qui simule la pensée humaine. Donc, on va avoir une piste très ingénierale, avec par exemple le robot canard est censé se comporter un peu comme un canard, ou en fait des problèmes plus complexes, d'essayer de comprendre en fait de manière globale et holistique la pensée humaine. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver plus dans les sciences cognitives. Le tout va poser la question de émerge, est-ce qu'on considère en fait comme étant un peu spécifique de l'être humain, et tout ça entre guillemets, c'est la conscience, donc essayer de la définir, et ça fait l'objet en fait d'un certain nombre de controverses actuellement, et la sentience, c'est-à-dire la conscience de la douleur ou des perceptions que l'on a. Donc, je vais rentrer rapidement dans justement une brève histoire de l'intelligence artificielle, et il commence à maintenant y avoir un consensus pour dire que ce qui est à la base en fait de ce qui s'est passé, qui va déboucher sur l'IA, c'est des conférences de Massy qui se sont tenues de 1946 à 1953
et qui s'appelait les conférences de Massy parce qu'elles étaient financées par un généreux mécène américain qui était Jonathan Massy. Et celui qui était à la base, en fait, un peu de ces conférences, c'est un neurobiologiste, Warren Sturgis McCulloch, qui, avec un collaborateur qui est Walter Pitts, j'y reviendrai très rapidement, a été le premier à modéliser le neurone. Et dans ces conférences de Massy, on a à la fois des scientifiques, des mathématiciens, Norbert Wiener comme cybernéticien, etc., mais aussi des anthropologues, donc le couple Gregory Bateson et Margaret Mead, aussi des psychanalystes, psychiatres, physiciens. La conférence, en fait, l'événement fondateur, c'est une conférence qui se tient en 1942, mai 1942, avant donc la première conférence de Massy de 1946. Mais c'est cette conférence qui est une conférence sur l'inhibition cérébrale avec deux speakers qui sont Howard Liddle sur les réflexes pavloviens et Milton Erickson sur l'hypnose ericksonienne ou thérapeutique. Et c'est Laurence Kubi qui les invite et qui est en fait un psychanalyste psychiatre. À partir de là, et sous l'autorité entre guillemets de McCulloch, se met en place en fait ces conférences de Massy qui comprend un noyau dur de 20 membres dans lequel, là je cite Walter Pitts qui avec McCulloch fait le premier modèle en fait des neurones et ce modèle c'est pratiquement celui qu'on utilise même aujourd'hui dans les réseaux neuronaux. Norbert Wiener qui est le pape même en fait de la cybernétique, c'est-à-dire la manière comment on arrive en fait à corriger à corriger un dispositif pour qu'il arrive à l'objectif qu'on s'est fixé. Et il écrit ce livre, son livre La cybernétique en 1948, extrêmement influencé par ces conférences de Massy. Et la cybernétique, c'est pas simplement en fait un objet informatique, c'est aussi un objet qui avait pour Norbert Wiener la propriété de penser les régulations dans le domaine de la biologie. Donc, ces 20 personnalités, à part McCulloch, à part Margaret Mead et Gregory Matheson, c'est pour en citer juste quelques-uns, c'est Norbert Wiener, donc, que j'avais déjà cité, mais c'est aussi John von Neumann, un mathématicien qui est à la base de tout un tas d'outils mathématiques pour explorer la physique quantique, mais qui est plus connu pour la théorie des jeux et la théorie des automates. Et ce qui est, en regardant un peu ces 20 personnalités qui forment le noyau dur, en fait, on couvre pratiquement toutes les disciplines, allant des mathématiques jusque aux sciences humaines et sociales. Ce sera à partir de la cinquième réunion, il y en a eu 10, que ces réunions sont résumées, enfin, qu'il y a un volume résumant en fait le travail de ces réunions, et c'est édité par Hans von Förster, qui est un cybernéticien qui va construire en fait le laboratoire de biologie computationnelle d'Urbana, et Margaret Mead, qui est une anthropologue extrêmement connue. Et puis, il va y avoir aussi Hans-Lucas Teuber, qui est plutôt un sociologue. Au cours, en fait, de ces réunions, il y a une quarantaine de personnalités qui sont invitées en fonction du thème qui est traité. Et entre autres, il y a Ross Asby, qui est un ingénieur électronicien connu pour tout son travail sur l'homéostasie et sur la création d'un appareil qui s'appelle l'homéostat, mais qui avait pour but de montrer qu'on pouvait en fait fixer ou rester sur un équilibre stable à partir du moment où on avait les rétrocontrôles adéquats. C'est aussi Claude Shannon, le père de la théorie de l'information,
Et Max Delbrück, qui avait fondé le groupe Phage et qui était un peu à la base des outils qui ont permis, entre autres, avec les phages, d'analyser l'information génomique des bactéries Escherichia coli. Donc, ces réunions, elles ont été extrêmes, elles ont influencé énormément la communauté à ce moment-là, mais sans parler d'IA. Elles ont été mises sous le nom sémantique de la cybernétique, et avec toute une réflexion sur ce qu'allait devenir en fait les sciences cognitives et la réflexion sur comment modéliser ou comment comprendre en fait les processus cognitifs de haut niveau. Il y a eu toute une réflexion sur la vision, mais pas que, et ça a été ce premier rapport. Ça s'est arrêté en 1953. Il y a eu et je reviendrai un peu sur. Ça a continué en fait ce développement de la cybernétique. Et puis en 1956, le MIT, avec Nathaniel Rochester, qui est une personnalité reconnue du MIT, en fait, c'est ce qu'on appellerait en fait un principal investigateur ou un directeur de recherche, mais avec un certain nombre de jeunes élèves, qui sont John McCarthy et Marvin Minsky. Marvin Minsky, c'est celui qui a participé à l'interface utilisateur qu'on trouve sur les Macintosh, et ce côté désignateur. Il propose de faire en fait une école d'été à Dartmouth en 1956. Ils veulent se séparer un peu de la cybernétique pour pas être écrasés, et donc c'est à ce moment-là ils inventent d'une certaine manière, et ça apparaît vraiment dans la demande de financement pour cette école d'été, le nom de intelligence artificielle. Et l'objectif, en gros, c'est de dire que il propose une étude de 2 mois sur l'intelligence artificielle menée par 10 personnes. En fait, ils vont se retrouver entre 20 et 40, mais pas en permanence, au cours de l'été 56 à Dartmouth College. Et cette étude part du principe que chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut en principe être décrit avec une telle précision qu'une machine peut être construite pour la simuler. Et c'est à partir de là, ça c'est le consensus classique, que le mot IA apparaît. Et par contre, il apparaît en partie en opposition à la cybernétique. Et il va apparaître aussi en opposition, pour porter une approche de l'intelligence artificielle dont je vais parler juste après et qui d'une certaine manière structure l'intelligence artificielle aujourd'hui. En même temps, en Angleterre, donc entre 1949 et 1958, il y a un club, les gens qui se retrouvent pour déjeuner et pour discuter de cybernétique, c'est le Ratio Club. Et dans ce Ratio Club, je suis désolé, on retrouve Ross Ashby, qui était un des participants et un des invités des conférences de Massey. Alan Turing et John Betts, c'est un neurobiologiste qui est un peu un pendant de McCulloch, mais au niveau de l'Angleterre. Ils se retrouvent aussi, en fait, pour discuter un peu cette même problématique, c'est essayer de comprendre comment, en fait, la pensée de l'être humain. Et en prenant un peu de recul, entre Massy et Dartmouth, il y a une lutte entre deux approches. Une approche symbolique de la pensée et une approche connexionniste. Alors, je vais essayer de la définir en essayant d'être le plus simple possible. L'approche symbolique, ça consiste de considérer que on peut modéliser la pensée humaine en se mettant dans pratiquement ce que les mathématiciens appellent
le calcul formel ou la logique formelle. C'est-à-dire, on a besoin en fait d'un alphabet. Par rapport à ce que j'ai dit sur les processus, ben, c'est les entrées, c'est les stimuli d'entrée. On a besoin de règles, c'est-à-dire en fait des opérateurs. Alors les plus simples, quand on se place dans une logique oui-non, c'est et ou et non. Et à partir de là, on crée des règles. Par exemple, la règle E1 et non E4 sera vraie si E1 est activé et E4 n'est pas activé. Et on a tout un paquet de règles qu'on peut en fait prendre en compte. Donc, la représentation des connaissances dans le cadre de cette approche symbolique, ça utilise des symboles et utilise la logique formelle pour raisonner sur ces symboles et, comme on fera en maths, pour démontrer des théorèmes. Ici, en fait, c'est interpréter l'ensemble de règles, en sortir une action et donc une action en sortie. C'est un système qui est basé sur des règles. Et c'est ce système-là qui va donner, dans les années fin des années 70, début des années 80, ce qu'on appelle les systèmes experts, c'est-à-dire sur un métier donné, en médecine en particulier, il y a eu un certain nombre de systèmes experts. C'était d'extraire les connaissances du spécialiste, de les mettre sous forme de règles, et à partir du moment où on avait les règles, pouvoir ben, poser un diagnostic à partir d'un examen clinique. Et l'IA symbolique, c'est aussi en fait la simulation cognitive avec, grâce à cette, en créant des systèmes qui présentent un comportement intelligent grâce à la manipulation des symboles. Dans les personnalités qu'on retrouve et qui ont été importantes dans cette IA symbolique, ben, c'est ceux qui étaient à l'école d'été de Dartmouth, c'est John McCarthy, souvent appelé le père de l'IA d'ailleurs, qui a été un peu à la base. Qui a développé un programme, un langage de programmation, qui est programmation Lisp et qui a été extrêmement utilisé jusque dans les années pratiquement 80 pour développer tout ce qui était des moteurs d'apprentissage. Et Marvin Minsky, dont on a parlé, Alan Newell et Herbert Simon, et c'est ce duo qui a été au départ, en fait, le créateur d'un programme de résolution de problèmes généraux. Qui ont donné en mathématiques, en fait, les programmes d'analyse formelle, que sont Mathematica, Maple, Octave, c'est-à-dire des programmes qui sont capables de démontrer des théorèmes et de raisonner, non pas sur des quantités, mais sur des symboles. Le connexionnisme, c'est une approche qu'on retrouve dans les domaines des sciences cognitives, mais c'est un peu ce qui a été un peu la base, en fait, des réunions de Massy. L'idée, ben, c'est que on va simuler la pensée, enfin, essayer de comprendre la pensée en construisant des réseaux neuronaux à partir, en fait, d'un modèle de neurones relativement simple. Un modèle de neurone, ça veut dire c'est une cellule qui va recevoir. Un neurone, c'est des dendrites hein, en entrée, donc qui reçoit un certain nombre d'informations, qui gère cette information avec une fonction qui donne des poids en fait aux entrées et qui ensuite en fait définit un seuil, donc une fonction d'activation qui va permettre, si cette fonction d'activation est activée, enfin, si, d'avoir une sortie qui va déclencher. Qui va être allumé ou pas allumé selon en fait le calcul qui aura été fait au départ à partir des stimuli et ensuite en fait le niveau de fonction de fonction d'activation. Donc les points clés sur le connexionnisme avec les nœuds, c'est les réseaux neuronaux artificiels, donc réseaux de neurones artificiels. C'est le fait que on peut multiplier en fait ces neurones, donc faire un traitement distribué. Et puis, c'est la capacité d'apprendre assez facilement à partir en fait, de ce type de réseau. Et c'est ce qu'on voit relativement maintenant. Parmi les personnalités, la première personnalité, même si je l'ai mis à la fin, c'est Frank Rosenblatt, c'est-à-dire qu'il va faire un réseau à un neurone pour reconnaître les nombres écrits de manière manuscrite, et c'est en 1957. Et puis, plus récemment, c'est Geoffrey Hinton qui fait renaître le connexionnisme fin des années 80
Et Yann LeCun, qui va être un peu celui qui est le plus connu. Geoffrey Hinton et Yann LeCun ont reçu, il y a, je sais plus, il y a 2, 3 ans ou 4, ou un peu plus, le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Alors, je ne sais plus si c'est Dominique qui avait demandé. Donc, cette histoire que j'ai racontée, elle est en partie, pas complètement racontée, dans le livre de Jean-Pierre Dupuis, qui est aux origines des sciences cognitives, qui, à partir enfin, qui décrit extrêmement bien, en fait, dans son livre, les réunions de Massy, pour montrer que les réunions de Massy ont été aussi en fait le fondement de tout, d'une grosse partie des sciences cognitives actuelles. Donc ce qu'on a eu, c'est en 1957 une reconnaissance des formes, alors à l'aide d'un ordinateur analogique, c'est le perceptron de Rosenblatt. Juste après Dartmouth, il y a eu le développement de tout ce qui est IA symbolique et qui débouche en fait sur un certain nombre de programmes, jeux d'échecs, etc. Ça débouche sur des algorithmes et programmes qui vont permettre de faire du calcul symbolique en mathématiques. La France n'est pas absente de ça. Jacques Pitras, qui est à Paris 6 au tout début des années 60, développe, et pendant les années 60, développe aussi tout ce qui est en fait la théorie symbolique de l'IA et est à la base en fait du laboratoire entre autres de Paris 6 sur l'IA. Et puis en 67, on va avoir la création de l'INRIA qui va être aussi porteur en fait de tout ce qui est l'IA à cette époque-là. Et alors, pardon, pendant les réunions de Massy, et jusqu'à Franck Rosenblatt, jusqu'à début des années 60, il y avait un équilibre entre connexionnistes, en fait, les deux approches, l'approche connexionniste et l'approche, en fait, symbolique. À partir des années 60, progressivement, c'est l'approche symbolique qui prend le dessus, et c'est un papier de Marvin Minsky qui dit que le perceptron ne servira à rien pour éclairer la pensée, les mécanismes de la pensée humaine, et il va être impossible en fait d'obtenir aux États-Unis, entre autres, des financements pour travailler sur l'IA connexionniste. Et il va être possible que de travailler sur l'IA symbolique. Mais l'IA symbolique va promettre de tout faire, traduction, etc. Et il va y avoir en fait cette théorie de la promesse avec les essais en plus de systèmes experts de fin des années 70, début des années 80, va en fait décevoir les financeurs. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, parce que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça en France, l'hiver de l'IA. C'est-à-dire en fait, il y avait une bonne partie des financements venant de l'armée, entre autres. Mais il y a eu en fait un arrêt pratiquement des financements à ce moment-là. Et il a fallu attendre la fin des années 80, les années 90, pour qu'il y ait un retour de l'IA connexionniste, mais qui n'a pu exploiter les algorithmes qui avaient été mis au point à ce moment-là, qu'à partir du moment où il y a eu la possibilité d'accès au big data, donc Google à partir des années 80, et à des puissances de calcul nécessaires pour pouvoir apprendre sur ces masses de données et utiliser en fait des réseaux neuronaux à plusieurs dizaines de milliards de paramètres, donc à partir des années 2012. Et la première réussite, ça a été de pouvoir classifier des images, et ça, c'est le travail entre autres de Yann LeCun sur cette problématique-là. Est-ce qu'elles sont toujours en opposition? Probablement pas. Donc le 17 janvier, donc 2024, il n'y a pas tellement longtemps, le laboratoire de recherche de Google DeepMind a sorti un programme Alpha Géométrie qui est capable de résoudre en fait des problèmes géométriques, et il s'est attaqué au problème en fait de géométrie des Olympiades mathématiques. Et de manière assez étonnante, il a pu résoudre sur 30 problèmes qu'on lui a donné 25. Sachant que les médailles d'or des Olympiades en moyenne en résolvent 26 et les médailles d'argent un peu moins de 24.
Donc, globalement, ce programme, dès le départ, en sortant, a la capacité d'avoir au moins une médaille d'argent, sinon une médaille d'or aux Olympiades de mathématiques. Et en fait, la différence, enfin, ce qui fait la différence de ce programme, c'est que c'est une synergie entre un programme IA connexionniste et un programme IA symbolique. Et si on le fait de manière simple, l'IA symbolique est peu créative, mais très rigoureuse. Donc, c'est démonstration de théorème. Et l'IA connexionniste est peu rigoureuse, a des hallucinations, entre guillemets, et, enfin, dit un peu n'importe quoi, mais par contre, est très créative. Et c'est en jouant la synergie entre les deux que, et c'est sûrement à cause de ça, qu'en fait, ce programme a cette capacité de pouvoir résoudre des problèmes difficiles en fait de géométrie. Alors, un des gros problèmes qui existe, c'est la représentation des connaissances. Et je voulais juste te montrer un point, c'est ce qu'on peut faire pour représenter en fait les connaissances, c'est que c'est un graphe social de la cybernétique. Et donc, ce qui s'est passé, et quand on fait ça, c'est on prend les noms et on essaie de voir avec qui ils étaient en relation et et on représente en fait la connaissance de l'évolution de la cybernétique, de l'IA d'une certaine manière en général. Alors, on pourrait colorer en fonction de IA connexionniste, IA symbolique. Donc, ici, on a. Outre le MIT, un certain nombre en fait de chercheurs qui ont été à la base, mais un des points, une sorte de point hub, c'est les conférences de Massy. Et puis ensuite, eh ben, progressivement, on voit que se créent en fait des départements dans certaines universités, et puis qu'on arrive, donc c'est représenté en fonction du temps, et on arrive en fait sur le côté droit. Vers les laboratoires de Google, les GAFA qui n'ont pas été représentés, etc. Si je fais un résumé, dans les débuts des années 40, on est sur les réseaux neuronaux et la cybernétique. À partir des années 60, on est sur une domination de l'IA symbolique avec les systèmes experts et les moteurs d'apprentissage à partir de règles. Et à partir de 2010, il y a un retour de balancier avec réseaux neuronaux plus données massives, plus puissance de calcul. Et puis actuellement, en fait, la présence de l'IA dans tous les systèmes de gestion de l'information. Donc c'est, je pense, qui sera à la suite du débat. Et si je refais ce résumé en mettant des noms, 1943, c'est la naissance des réseaux neuronaux avec la modélisation du neurone par d'un neurone virtuel. Ultra simplifié par rapport à ce qu'on a aujourd'hui par McCulloch et Pitt, qui vont être en fait ceux qui vont déclencher un peu ces conférences de Massy. Dans les conférences de Massy, c'est plus regarder tout ce qui est rétrocontrôle, donc le concept de rheostat qui va permettre en fait et qui est lié au concept d'équilibre à peu près stable, donc d'homéostasie. Le livre La cybernétique par Wiener apparaît en 48 et ça a une influence sur toutes les générations qui vont suivre. On a la conférence de Dartmouth en 56 qui est en opposition à la cybernétique, mais qui est aussi progressivement, même si ça apparaît pas totalement dès le départ, mais qui est en opposition aussi avec les réseaux neuronaux et qui est ce qui porte en fait l'IA symbolique, qui va faire le buzz pendant les 20 prochaines années. Et entre autres, parce qu'il y a une forte critique des réseaux neuronaux, c'est Minsky qui s'oppose à Von Foerster. Von Foerster, c'est celui qui a fait éditer les bouquins des Massy Conference, et Minsky, c'est celui qui est à la base de la Summer School de Dartmouth. La cybernétique, donc le concept. Je dirais qu'il est un peu auto-organisateur dans l'idée de Norbert Wiener du vivant, passe en demi-teinte parce que l'IA symbolique écrase un peu tout. Et puis Hinton, ING d'ailleurs, remet les réseaux neuronaux à la mode, fin des années 80. Et il y a en même temps qu'il y a le début, et plus que le début, de l'hiver de l'IA symbolique. Les années 2000, Internet apporte des données massives et c'est ça ce qu'il fallait en fait aux réseaux neuronaux. Et
Ce qui est décrit aussi et qui pose un énorme problème éthique, c'est que c'est l'utilisation de ces IA qui permet en fait d'amplifier le concept de société surveillée ou de surveillance capitalistique. Donc l'utilisation en fait des données de l'IA, des données pardon, numériques comme un bien économique on vend sans s'en rendre compte quand on utilise en fait Google ou un programme informatique. Voilà, je ne sais pas si j'étais totalement alétant et si c'était suffisamment compréhensible. Le temps, on n'avait pas prévu de règles bien précises, donc D'accord. on va considérer que oui. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez tout compris? C'était assez technique, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions avant qu'on puisse aborder le débat. J'ai mis dans le pad un article que j'ai vu sur la différence entre l'IA symbolique et l'IA connexionniste, mais je pense que la discussion va être plutôt sur l'IA symbolique, a priori, qui a l'air d'être beaucoup plus. Enfin, qui... C'est l'IA connexionniste qui a pris le pas Voilà, donc récemment, hein. ok. Enfin, récemment, dans les 20 dernières années, quoi. D'accord. Ah, donc, j'ai pas tout compris. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout Ben, cas. chat GPT, c'est du connexionnisme. Les OK. réseaux neuronaux, c'est connexionniste. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Bon, je vais arrêter le partage. Alors, Gilles? Avec le micro, parce que pour l'instant, il est coupé. Ton micro est coupé, Gilles. Pardon. Oui. Merci Jacques pour ta présentation, vraiment très intéressante. Bon, ma question, elle est peut-être un tout petit peu en marge, mais au début de l'histoire, on se situe en plein Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et je me posais la question de savoir si finalement cette guerre mondiale avait joué un rôle dans je dirais, le développement enfin, de la cybernétique, de l'IA, enfin, etc. Voilà. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale joue un rôle dans le... Dans... Alors, j'en sais rien, je peux te donner simplement un ressenti. Je pense que tu as raison, dans le sens où la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier le projet Manhattan, ont dynamisé la construction des ordinateurs, même si les premiers ENIAC étaient à lampe. Et en même temps, il y a toute la physique quantique. En fait, le début du travail de John von Neumann, c'est sur des outils mathématiques qu'on appelle les algèbres de von Neumann, qui ont été développés pour mieux comprendre, je dirais, mieux modéliser la physique quantique. Et en fait, cette base, enfin, ces outils d'algèbre de von Neumann, il les a utilisés après quand il a fait la théorie des automates et la théorie des jeux. Et la théorie des jeux, c'est effectivement ce qui intéressait l'armée, puisque c'est la décision qu'on prend à un moment donné pour essayer d'avoir le meilleur gain, la guerre étant considérée comme un jeu. Donc je pense que tu as raison, mais je n'ai pas creusé, je ne pourrais pas donner en fait de source factuelle pour justifier cette idée-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? Alors, une question de Manuel. Pourriez-vous dire quelques mots sur les travaux de Francesco Varela? Oui. alors j'ai pas coupé. Ouais, mais c'est ça. Donc, dans la charte, en fait, on voit apparaître Umberto, associé à Ross Ashby, Umberto Maturana, qui est en fait le mentor et le collègue de Francesco Varela. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout abordé, qui est en fait cet aller-retour avec toute la réflexion sur la définition du vivant et de son évolution, et donc les concepts qui sont associés, je dirais, en fait, les noms que je mettrais, c'est von Bertalanffy pour la théorie générale des systèmes, c'est-à-dire en fait l'approche holistique, et Umberto Maturana et Francesco Varela, qui vont plus loin que simplement les concepts d'homéostasie, avec les concepts d'autopoïèse. Donc, le fait d'organismes qui. Alors, il faudrait que je sois un peu plus clair que ça. La définition que
pour lier ça, que je donnerais à l'évolution au sens général d'organismes, c'est qu'il possède trois mécanismes. Un premier mécanisme, c'est la réplication d'un support d'information, donc de l'information à travers son support. Donc, si on prend l'évolution avec les génomes, ben c'est la réplication en fait du génome. Le deuxième mécanisme, c'est la reproduction d'un organisme à partir des informations du génome qui vient d'être répliqué, mais qui est suffisamment robuste, cette reproduction, pour que même s'il y a des mutations, même s'il y a des erreurs dans la réplication, l'organisme qu'on construit reste semblable aux organismes précédents. Mais l'intérêt, et la troisième mécanisme, c'est l'intérêt d'avoir des erreurs au moment de la réplication, c'est d'avoir en fait un portefeuille de solutions latentes qui pourront être utiles si le contexte en fait change et qu'il faut avoir, je dirais, dans son portefeuille, un certain nombre en fait de solutions latentes pour répondre à des moments de crise, quoi. Voilà. Et donc, la réflexion en fait cybernétique de Norbert Wiener, elle est en lien de manière assez claire, la réflexion de Ross Asby et les réflexions de Gordon Pask avec les réflexions qu'ont menées et les définitions et les concepts qu'ont fait émerger Umberto Maturana et Francisco Varela. Sais pas si c'est le type de réponse que vous attendiez ou pas. Manuel, c'est bon, merci. A priori, c'est bon. Edgar? Merci. Il y a un autre lien avec la guerre de 40, c'est à travers Norbert Wiener qui apparaît dans la graphe, c'est qu'il a étudié toute la théorie de bruit dans les signaux qui a été utilisée à la fois dans la communication et dans le développement des radars pendant la guerre de 40. Donc, il y avait un lien direct avec les recherches des forces armées américaines à la fois sur la communication et sur le radar. Non, c'est exact, même plus, parce que la cybernétique a été développée, une partie de la cybernétique par Wiener pour faire en sorte que malgré les déviations en fait d'un missile, ben, ça n'existait pas au sens missile comme ça atteignait sa cible par correction progressive. Donc, oui, je pense qu'on devrait pouvoir trouver en fait les liens. Et il faut voir que l'IA a été quand même, en plus, et ce qui s'est passé dans les années 40, extrêmement financé par l'armée, quoi. Du coup, on peut peut-être commencer à aborder la deuxième partie de la discussion sans pas tout de suite arriver sur la question du vivant. On avait une question, là, c'est un débat organisé par Sciences Citoyennes. Donc, on se pose toujours la question de savoir, lorsqu'il y a un développement technologique, est-ce qu'il est souhaitable, est-ce qu'il est souhaité? Du coup, la question qu'on pourrait poser, est-ce qu'on peut échapper aux technologies IA? Et sinon, comment les contrôler? Ou comment avoir une régulation de ces technologies? Est-ce que tu as des éléments de réflexion là-dessus? Moi, je préférerais La parole sera que à toi. je monopolise, qu'il y ait un vrai débat là-dessus, parce que j'ai pas. Mais quel est ton avis déjà? Après, ça peut peut-être créer le débat. Mon avis, c'est que, en fait, c'est extrêmement compliqué de. Enfin, on peut pas bloquer tout ce qui est les questions sur une connaissance. Enfin, c'est un vieux débat que j'avais, c'est-à-dire que la question qu'on se pose. Enfin, qui a été posé même ici dans les débats, c'est est-ce qu'il faut arrêter la recherche? Donc, c'est reformuler la question de Grothendieck en 1972. Bon, le problème, c'est des questions qu'on continue à avoir, je continue à débattre avec François Graner, mais que j'avais commencé à débattre avec Pièce et main-d'œuvre. Hein. Le point, c'est qu'à un moment donné, si on arrête la recherche, on arrête aussi l'enseignement. Parce qu'en fait, il y a un lien direct en particulier au niveau universitaire, entre la recherche et l'enseignement. Et si on arrête l'enseignement, pour moi, en fait, on augmente les inégalités sociales. Donc, il y a une sorte de cercle qui est un peu compliqué à rompre comme ça. Donc, le point, c'est, si on considère que l'intelligence artificielle, c'est une démarche qui consiste à essayer de comprendre et donc de faire de la recherche sur les mécanismes de la pensée, les mécanismes des processus cognitifs,
Je pense que c'est assez illusoire de vouloir en fait la bloquer. Après, ouais, par contre, les dispositifs qui en sortent, les dispositifs techniques, il y a une régulation nécessaire. Hein. C'est les discussions qu'il y a actuellement au niveau européen, je pense qu'elles sont en dessous, elles vont beaucoup moins vite que la vitesse à laquelle se développent toutes les technologies de l'IA qui sont en train d'être partout. Et sans aucune pratiquement régulation. Voire connaissance qu'il y a de l'IA dans ce qu'on utilise. Absolument. Enfin, il n'y a plus aucune transparence, quoi. Marivonne qui réagit en mettant il y a des agents cognitifs et il y a l'humiliation délibérée de l'intelligence humaine. Et elle cite un ouvrage de Giuseppe Longo sur le mythe de Prométhée. Ça suscite des réactions. Tu veux élaborer, Marivonne? Oui, je suis en train de chercher le bouton. Oui, bonjour. Moi, je suis linguiste, je suis pas informaticienne, mais je travaille sur les systèmes, les interfaces homme-machine depuis 2002, puisque je suis en une fac de sciences et que ça fait fort longtemps que je travaille sur la cybernétique de second ordre de von Foster et les travaux du CREA, avec notamment Dupuis et Varela Maturana. Voilà. Et je crois que vous avez fait des sauts dans le temps parce que aujourd'hui on a affaire à. D'abord, c'est pas vrai que c'est un arrêt de la recherche de critiquer l'IA. Ce Ah qui est non, j'ai pas dit que critiquable, non, non, c'était. non, mais je termine. Ce qui est critiquable dans l'IA, c'est justement que c'est un moyen, oui, de remplacer délibérément l'intelligence humaine, d'utiliser le mot intelligence au sens du renseignement, parce que quand on voit ce que donne à la fois le traitement des données massives et, comment dirais-je, tout ce qui est autour du deep learning et des machine learning, les données, c'est-à-dire que on sait très bien, et je parle du point de vue qui intéresse quand même science citoyenne, c'est-à-dire que la donnée, l'outil n'est plus la fin, enfin plutôt l'humain n'est plus la fin de l'usage de l'outil, nous faisons partie des données. C'est-à-dire que c'est tout ce que nous faisons sur les réseaux ou autres qui sert à nourrir l'IA et qui sert notamment, alors c'est un truc emblématique, mais qui est dénoncé par beaucoup d'informaticiens, c'est l'histoire du machine learning, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne à manger à la machine pour qu'elle reconnaisse qui, pour qu'elle reconnaisse quoi. On peut parler de la reconnaissance de visage, hein. On peut parler de tous ces systèmes de surveillance, et de toute façon, l'économie capitaliste, parce qu'il faut bien l'appeler comme telle, son agenda économique en 2030. Macron en tête, c'est l'économie de la connaissance, c'est-à-dire effectivement une donnée. Ça n'a rien à voir, et d'un avec la connaissance humaine, et de deux avec l'intelligence humaine. Or, on a affaire à une situation planétaire totalement catastrophique, où si ce ne sont pas les humains, et le point de vue de l'observateur, je parle sciemment parce qu'aujourd'hui, il y a en plus, comment ça s'appelle Ah zut, bon bref, en mécanique quantique, si on ne prend pas ce point de vue-là, et d'un point de vue de science citoyenne, c'est un vrai combat. Je vais partir dans 2 jours à un congrès qui s'appelle London Computer Science, et c'est justement l'informatique non faite. Non faite parce que non financée. Depuis 2002 que je travaille avec des collègues informaticiens des universités de Caen et de Rouen, on n'a pas eu un projet ANR parce qu'on mettait l'humain au centre des recherches qu'on pouvait mener de manière pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité est complètement balayée, parce que quand vous avez une carrière pluridisciplinaire, ben vous n'avez pas de carrière en fait, et les financements de la recherche et les financements des projets ANR ne vous sont pas attribués. On a même fait, en tant que, j'ai été vice-présidente de l'association de recherche en sciences cognitives, on a même fait un projet de prospectif en 2013, je crois, sur ce que devait être la recherche cognitive. Ben bien sûr, qui alliait 27 laboratoires, dont beaucoup de laboratoires d'anthropologie et de sciences humaines, naturellement, on nous a fait une fin de non-recevoir parce que celui qui a dirigé ce projet prospectif, c'était un ancien terminologue
de l'Institut français du pétrole. Je suis passée par la terminologie au début de ma carrière et je sais de quoi je parle en matière de fixation des connaissances. Donc je pense que cet aspect pour, pas par rapport à ce que vous avez dit, mais cet aspect pour sciences citoyennes est un aspect majeur. Il est dommage que moi, je n'ai pas trop trouvé ma place dans sciences citoyennes. Je continue à être adhérente sur ces questions-là et qu'il n'y a pas vraiment de réflexion collective, mais c'est une question centrale. Voilà, je vous remercie. Merci Marie-Vanne, c'est le moment d'avoir une réflexion collective, c'est justement ce débat. Oui, tout à fait. Edgar? Je pense que la réflexion, notre réflexion est deux ou trois pas derrière la réalité, parce que ces questions sont déjà posées dans les tribunaux. Et je pense que notre réflexion doit avoir un objet militant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut, sur quoi est-ce qu'on peut influer? Et je regarde, je pense pas que j'ai une vision globale, mais il y a trois domaines où il y a déjà des procès, où c'est devenu une question de société, c'est les deepfakes, l'utilisation d'intelligence artificielle pour créer des faux vidéos de Britney Spears, ou des faux vidéos à visée politique, des vidéos de Joe Biden qui n'existent pas. Il y a un deuxième question, Marie-Vonne l'a soulevé, la reconnaissance faciale et notoirement le fait que c'est parce que ça prend sur des visages de caucasiens, c'est notoirement moins fiable pour des visages de personnes africaines. Et il y a eu récemment un homme qui a été emprisonné aux États-Unis pour des violences sexuelles après reconnaissance faciale. Il est allé en prison pour avant procès. Il a été agressé, gravement blessé. Il s'est avéré qu'après très peu d'investigations policières, il était même pas à 1 000 km de là où le crime a eu lieu. Mais il a tout de même souffert des blessures permanentes. Du fait d'une faiblesse, d'une erreur de reconnaissance faciale, et son visage est noir. Et le troisième domaine, et c'est peut-être plus proche à ce qu'on fait nous, c'est déjouer l'utilisation de ChatGPT pour des travaux scolaires, parce que maintenant, il y a des agences qui proposent des outils d'identification pour déceler quel travail a été fait par une intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on doit se focaliser sur les problèmes que posent ces outils déjà. C'est pas une question théorique, c'est plus théorique, c'est devenu réel à une vitesse étonnante pour moi au moins, mais je pense qu'il faut se focaliser sur les dégâts que ça va faire et qu'est-ce qu'on peut faire. La boîte de Pandore en quelque sorte est largement ouverte. Si notre idée c'est comment on peut la fermer, ben, on est hors histoire. Merci. Merci Edgar. Juste avant, Dominique, que tu prennes la parole, je voulais juste rappeler qu'on avait au départ pensé axer le débat sur, enfin, la discussion sur la recherche sur le vivant. Après, voilà, c'est une démocratie. Si on peut changer le pitch, si vous voulez, et partir sur autre chose. Mais au moins, faut qu'on se le dise. Dominique? Il marche mon micro là, oui. 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 Là où il y a, à mon avis, une question centrale dans l'intelligence artificielle, c'est sur la question d'évolution. Alors, j'ai vu une diapo passer sur le problème de l'évolution, mais quand on regarde, par exemple, le phénomène d'apprentissage profond qui est proposé par l'intelligence artificielle, l'apprentissage se fait sur l'état actuel des connaissances. Et donc avec un risque d'auto-reproduction de ce que l'on connaît déjà, et avec une part relativement très aléatoire à la possibilité d'évolution. Ce qui est le cas, par exemple, moi j'ai travaillé sur la bioinformatique et puis la recherche en génomique. C'est typiquement le cas qu'on avait au début, où tout était inscrit dans le génome de la part des informaticiens et d'une partie des biologistes. Et quand on écrivait qu'il y avait aussi l'environnement qui devait jouer, et donc l'intervention d'aléatoires dans l'expression des gènes, par exemple, et ça, ils avaient du mal à l'intégrer. Alors, l'intervention de l'aléatoire,
Ce n'est pas uniquement les réseaux de neurones dont tu as parlé, hein. Il y a tout un pan qui fait appel à la structuration markovienne des connaissances, où justement l'aléatoire peut être intégré. Mais comment une intelligence artificielle peut intégrer une évolution, donc une modification dans la répétition de l'information, qui soit compatible avec l'espèce ou qui donne naissance à une nouvelle espèce ou qui soit compatible avec sa survie, pour rester darwiniste. Marie-Yvonne, et n'hésitez pas aussi à intervenir hein, pour l'instant que le débat ne se passe pas entre 3-4 personnes seulement. Marie-Yvonne, ton micro. Ton micro est coupé, Marie-Yvonne. Il est toujours coupé. Marie-Yvonne, on ne t'entend pas. Voici, me voici. Non, je suis désolée. Oui, il y a un autre volet qui est tout aussi, qui est là, qui est très très concret, c'est la justice digitale, qui est une des applications avec, comment ça s'appelle, ah zut, pas le Bitcoin, mais le, ah zut, j'ai oublié le nom, la blockchain, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, remplacer les tribunaux en disant bah, finalement ça coûte moins cher, on pourra juger les gens beaucoup plus directement, etc., grâce à la justice digitale. Et puis comme ça, tout ce que vous aurez pu faire avec ce chaînage de toutes les actions que vous avez pu faire fera justice. Hein, et donc on va cumuler tous les petits délits, etc., et voir le poids que ça représente pour vous condamner ou pas vous condamner. Ça revient à ce que Sarkozy disait, dès 3 ans, on peut déceler le jeune délinquant. Hein. Ça, c'est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que c'est dans les facs de droit, paradoxalement, que ça réagit le mieux sur la question du numérique. Mais le numérique, il tombe pas du ciel. Il tombe pas du ciel. Hein. Et ce qui était très intéressant dans un ouvrage qui est sorti assez récemment, l'année dernière, par deux collègues à moi, c'est l'ouvrage de Garapon et Lassaigue qui s'intitule Le numérique contre le politique. Et là, c'est vachement intéressant pour notre association Sciences Citoyennes, parce que ce que fait disparaître le numérique, c'est la notion d'espace. L'espace, c'est ce avec quoi s'est constituée l'humanité. Qu'on pense que l'on veut d'un tribunal, mais c'est un lieu. C'est un lieu et la notion de justice digitale fait disparaître les lieux. Et quand on fait disparaître les lieux, on fait disparaître beaucoup plus que les lieux, on fait disparaître les choses. Voilà, c'est pratiquement le collège invisible. Il y aurait vraiment beaucoup à dire. C'est vrai que ça serait intéressant de relancer une réflexion, mais pas seulement avec... Enfin, je veux dire, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup, qu'on fasse venir beaucoup aussi dans Sciences Citoyennes, une réflexion d'un groupe ouvert où il y ait à la fois des anthropologues, où il y ait les différents collègues dont j'ai parlé. Tout à l'heure, Manuel Zaclad a parlé de Varela. C'est évident que c'est quelqu'un. Aujourd'hui, la théorie de l'inaction, enfin, oui, qu'on peut dire une théorie, est très remise au goût du jour. Et notamment, même en mécanique quantique. Voilà, le point de vue de l'observateur. Comment on fait? Merci, L'observateur, Marie-Vanne. c'est nous, hein? Je propose qu'on se donne au moins un quart d'heure avant la fin pour réfléchir justement aux suites à donner à ce débat, ce qu'on pourrait mettre en œuvre comme groupe de travail et comment il pourrait fonctionner. Oui. Et là, il nous reste un peu moins de 40 minutes. Sonia pose la question de l'amour comme composante du vivant, et c'est aussi l'occasion justement de revenir sur la question centrale qu'on vous proposait de discuter, qui est le vivant. Alors, Jean-Franco, est-ce que tu veux déjà aller dans cette direction-là ou est-ce que tu as une autre réflexion préliminaire? Ton micro est coupé. Ton micro est toujours coupé. Ouais, c'est ça, c'est presque, il y a peut-être presque un rapport. Je suis d'accord avec Marie-Yvonne, là, c'est que il y a un même débat sur le vote électronique en tant qu'apport bénéfique à la participation citoyenne. Et bah, le fait est, c'est qu'on fait disparaître aussi le cérémonial qui est lié au vote. Cliquer comme si on fait entre deux commandes d'Amazon pour un choix politique, c'est pas très 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 bon. Donc c'est encore en discussion hein, et on sent qu'il y a des gens qui poussent à ça. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Alors, le lien peut-être avec l'histoire de la recherche, là, et la recherche sur le vivant, c'est que avant qu'on puisse implanter des robots dans les usines, je veux dire, la fonction d'ouvrier était déjà robotisée. Hein.
depuis un petit moment. Donc on avait atomisé le travail de l'ouvrier. Donc en tant que tel, il suffisait qu'un progrès technologique pour le remplacer. Et ça c'est ce qui s'est produit, à part pour des tâches un peu compliquées. Alors la question que je poserais, c'est que qu'est-ce qui fait à l'heure actuelle qu'on pourrait, je vois un petit peu, hein, remplacer la réflexion scientifique et la confier en partie à une intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est lié justement au même mécanisme, c'est-à-dire ce dont on se plaint, c'est-à-dire l'atomisation de la recherche et des connaissances, le manque de temps pour discuter, le manque de connaissances partagées pour avoir une idée commune de sur quoi on travaille, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer? C'est-à-dire, on a l'impression que moins il y a d'humains, et plus il y a d'humains qu'on devrait remettre, et plus de relations humaines, plus on va mettre de l'intelligence artificielle à la place. Est-ce que tu voudrais réagir, Jacques, sur ce qui a été dit quelque part? Enfin, si je réagis, c'est sur le dernier point, c'est-à-dire que voilà, la vision, enfin, je trouve que l'évolution du numérique et de l'IA, c'est un cercle vicieux avec une évolution extrêmement individualiste de la société. Et une des manières de le combattre, c'est effectivement de remettre en phase, en fait, le côté collectif, c'est-à-dire l'enrichissement à travers des réunions en présentiel entre des individus. Comme ce Et soir. quelquefois, Comme ce soir. comme ce soir. Et c'est peut-être là le grain de sable, parce que si on individualise enfin, énormément, le jeu, effectivement, en termes IA, quoi, enfin, au sens général, c'est de copier autant que possible l'individu et de le remplacer d'une certaine manière. C'est un peu pour ça, quand on parlait en fait santé, c'est le remplacement en fait des médecins par des IA robotisés ou des sanisettes sanitaires quoi, dans lequel en fait on prend la tension etc. et il y a un diagnostic. Et rien qu'aujourd'hui, quand on dit la boîte de Pandore, elle est déjà ouverte, c'est complètement vrai. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu aux États-Unis, enfin un papier qui est sorti où il comparait le ressenti de patients vis-à-vis d'un vrai médecin ou d'une IA en termes d'empathie. Et le résultat, c'est que la plupart des patients trouvaient que l'IA était plus empathique que le médecin. Et plus drôle, entre guillemets, enfin plus drôle ou plus triste, c'était que quand on faisait travailler l'IA et le médecin, alors en plus, bon, l'IA avait de manière générale un meilleur diagnostic ou un diagnostic à peu près équivalent au médecin, mais quand on faisait travailler le médecin et l'IA ensemble au niveau diagnostic, en fait, ça délitait le système. C'est-à-dire, il faisait des diagnostics encore plus mauvais. Alors, une des explications, c'est qu'il y avait une sorte de jalousie du médecin vis-à-vis de l'IA, qui en fait, pour pas dire pareil que l'IA, donnait un autre diagnostic et qui se trouvait être faux, par exemple, parce qu'il voulait pas donner raison à l'IA. Et donc en fait, c'est le contenu à peu près d'un papier qui est sorti il y a un mois, mais qui illustre, alors peut-être un peu presque, mais un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés là. C'est-à-dire, c'est comment en termes d'associations militantes. Quelles sont les graines de sable qui peuvent être mises pour pas que, en plus, le numérique, de manière générale, amplifie encore plus une balkanisation de la société, une individualisation de la société? Justement, sur la question de la santé, tu posais la question l'autre fois sur est-ce que l'IA peut. Puis ça rejoint la question aussi de Marivonne, hein, est-ce qu'on dit que l'outil numérique doit s'apprécier par sa capacité à servir et non à conduire? Est-ce que dans le domaine de la santé, on en est où à ce niveau-là? Est-ce qu'on est vraiment dans un domaine où l'IA risque de conduire au détriment du service qu'elle pourrait rendre? Bah,
faudrait que tu me définisses ce que tu entends donc, par conduire, c'est-à-dire prendre le pouvoir en termes de décision politique, en termes de. Pour moi, le travail d'un médecin généraliste à 80%, c'est un travail en fait de relation avec son patient. Je dirais presque que le diagnostic, la plupart du temps, enfin, est important dans 20% des cas, mais pour le reste, c'est la relation et l'empathie avec le patient qui domine, quoi. Donc, la question à un moment donné, c'est progressivement, on a quand même transformé le travail du médecin généraliste un travail de plus en plus technique, où il fait appel de moins en moins à l'examen clinique et de plus en plus en fait aux examens secondaires. Le mode de formation des médecins, alors c'est en dehors de l'IA, mais c'est le mode de formation des médecins en faisant qu'ils rencontrent le patient très tard dans leurs études, enfin relativement tard, fait en sorte que quand ils s'aperçoivent que ils ont travaillé pendant 3 ans, mais que ça ne leur plaît pas du tout d'être en interaction avec le patient, ben, ils vont essayer de faire tout ce qui est possible pour ne pas le toucher, parce que ce n'était pas ça leur vocation, quoi, si tu veux. Et donc, à ce moment-là, on a une évolution en fait, de la médecine qui devient de plus en plus technique et de moins en moins humaine. À partir du moment où ça, le numérique ne fait qu'amplifier ce mécanisme-là. Donc, comment on peut aller contre ça? C'est peut-être du café du commerce, mais c'est oui, je vois se référer à la période de pandémie, ça a complètement illustré toute une partie de ces problèmes-là. Mais c'est d'essayer d'être le moins possible en distanciel et le plus possible, en fait, de remettre au goût du jour, en gros, le collectif et le présentiel. Alors, Marie-Laure parlait d'espace, il faut l'occuper, quoi. Laure demandait la source bibliographique du papier dont tu as parlé, qui est sorti il y a un mois. Tu pourras la mettre. Oui, ouais, je peux retrouver tous ces papiers-là. Ouais. D'accord, merci. Marie-Yvonne, puis ensuite Jean-Franco. Je vais être très rapide. C'est vrai qu'on pourrait, à titre de suite au débat, partager pas mal de bibliothèques. Ça serait une bonne façon de continuer à travailler ensemble. J'en suis tout à fait d'accord. Alors, le numérique, moi, faut pas croire que je sois contre. Bien au contraire. Mais je dirais, puisque vous êtes biologiste à l'origine, je crois, non, Jacques? Je suis mathématicien, puis Ah, biologiste. mathématicien et ouais, ben, bio-info, voilà. Comme Non, depuis que t'es bio-info, je... non, pour être clair, j'ai fait maths à l'ENS à Cachan, maths info, et ensuite je suis allé à Montpellier pour refaire des études en biologie classique. Et donc, en D'accord. fait, j'ai fait de la biologie classique. Mon axe de recherche, c'était l'information dans les cellules, à l'intérieur des cellules, mais en étant toujours à l'interface, en fait, l'utilisation d'outils informatiques, donc bioinfo, effectivement, IA, etc., quoi, enfin, machine Alors, learning. c'est vrai que les cellules, ce n'est pas l'interaction humaine, ça n'a rien à voir. Comment dirais-je? Voilà, je vais prendre une métaphore qui est très simple à comprendre. Le linguiste, ou la linguiste en ce qui me concerne, c'est comme le biologiste. Et quand on travaille sur des données, les données, c'est ce qu'on se donne. Donc, c'est déjà une alternative à ce qu'on appelle la science de données, qui n'est absolument pas une science, et la science du big data, dont on ne sait pas avec le deep learning ce qui se passe. D'où le problème de la limite. Toute connaissance scientifique doit poser des limites. Là, il n'y en a pas. C'est le calcul qui pose la limite. Mais ce qui se passe entre deux, on n'en sait strictement rien. Et voilà l'usage intelligent qu'on peut avoir, et que certains ont du numérique, mais celui-là aussi, il n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'on se donne des données, que ce soit des données médicales, etc., des comptes rendus d'hospitalisation ou autres. On se donne, par exemple, des textes à étudier. Et ces textes, on peut, grâce au numérique, c'est à la fois l'outil numérique, c'est à la fois le télescope et le microscope. On peut voir le grain très fin et on peut voir sur des milliers de données. C'est comme ça qu'un collègue à moi a utile à on lui a demandé comme projet financé, il a été financé pour ça, détecter les sites racistes sur Internet. Bah, naturellement, aucun site raciste va employer le mot racisme. Hein.
Eh bien, grâce à des captures de sites antiracistes et de sites d'extrême droite, il y a eu des études qui ont été faites. Et qu'est-ce qui a permis le grain fin de détecter un site raciste? Je vous le donne en mille, c'est la ponctuation et la police de caractère. Les racistes utilisent 10 fois plus le point d'exclamation que dans le français contemporain, en le comparant avec un corpus de référence qui était les 10 années du journal Le Monde. Ça, le numérique peut permettre de nous le dire. Vous voyez, c'est un peu, mais à condition, comme le biologiste, qu'on nettoie bien la paillasse, qu'on n'utilise pas les chats, les machins, les bidules et n'importe quoi dont on ne sait pas quel texte on étudie. On se donne des textes, on se donne des corpus, on se donne des données médicales, on se donne ce que l'on veut. Et de ça, on peut faire émerger du sens avec des corpus de comparaison. Voilà. C'est à la fois le télescope et le microscope. Et le numérique permet ça. Autrement dit, l'outil numérique, quand j'ai mis sa capacité à conduire et ça à servir et non pas à conduire, c'est-à-dire il ne doit pas être sa propre finalité. Et aujourd'hui, l'outil numérique apparaît comme sa propre finalité et notamment par le réseau des mots-clés de l'université de Stanford et qui est le réseau des mots-clés de Google. Autrement dit, les réseaux sémantiques qui échappent totalement aux internautes, mais qui n'échappent pas aux concepteurs. Faut pas dire que le numérique travaille tout seul. Le numérique travaille avec des concepteurs dans une visée d'optimisation, de rentabilité. Et en fin de compte, c'est pas le numérique qui est à attaquer. C'est l'usage capitaliste qu'on est fait. Enfin, c'est quand même une la palissade de dire ça. Mais ça, c'est vrai. Parce que les algorithmes, ils tombent pas du ciel. Ce sont des artefacts. Bien entendu. Et donc, je crois qu'un usage du numérique qui nous permet, tel le télescope ou le microscope, de soit voir le grain fin, soit voir beaucoup plus loin et de pouvoir aller plus loin dans ce qu'on est en train d'étudier, oui, c'est possible. Mais il faut se donner les outils pour ça. Et je rajouterais qu'il faut maîtriser les outils. Et l'intelligence humaine peut maîtriser les outils. Et aujourd'hui, s'il y a tant d'écrits qui partent sur l'explicabilité des algorithmes, c'est parce que effectivement, les algorithmes, c'est vraiment la façon dont ils sont programmés pour fonctionner, c'est vraiment une humiliation de l'intelligence humaine. Voilà. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Et de toute façon, on se fait des milliards d'euros de bénéfices sur les données. Et les données, c'est nous qui les donnons. Nous sommes dans la machine. Les humains sont dans la machine. Mais bien sûr. Les données que l'on donne. Jean-Franco, et juste je vous invite, pour, notamment à celles et ceux qui n'ont pas parlé, à ne pas hésiter à intervenir, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup envie de parler, que vous n'avez pas le droit de parler, donc n'hésitez pas non plus, ou par écrit, hein, pas forcément par oral, si vous n'êtes pas très à l'aise. Jean-Franco? Oui, donc ça a été évoqué tout à l'heure. Enfin, j'ai deux points qui ont été évoqués tout à l'heure. C'était les procès qui sont faits là. Donc ça revient au problème de la responsabilité en matière d'IA. Est-ce que cette responsabilité, elle peut être une approche structurante de l'IA, ou alors ça va être une espèce de responsabilité type marée noire où les responsabilités sont renvoyées d'un armateur à un propriétaire de bateau ou un pavillon, quoi. Donc ça serait une des questions à avoir, parce que, je veux dire, quand il y a une erreur, une catastrophe, qui est le responsable? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, le concepteur, celui qui a choisi de le faire, celui qui a vendu l'intelligence artificielle ne sachant pas quels étaient ses défauts, etc., etc. Voilà. Donc ça fait il y a cette question-là. L'autre, je reviens à l'histoire de la recherche, c'est que on a vu le problème comment dire, d'évolution du médecin, alors qui est devenu. Je veux dire, nous, on voit le médecin comme étant quelqu'un qui doit être en rapport avec le client. Maintenant, sa fonction, enfin, généraliste, je parle, elle a évolué vers un triage. C'est vraiment sa fonction de base. Et donc, avec le Covid, c'est vrai qu'on les a vus complètement disparaître. Ça se faisait par téléphone. Et donc, on a bien vu qu'on pouvait facilement remplacer le médecin par des algorithmes. Bon. Alors, la question que je peux poser, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de ce genre-là au sein de la recherche? Et j'aimerais bien poser la question aux gens qui sont dans la recherche pour savoir quelle est leur façon de voir l'IA, et est-ce que ils pourraient, comment dire, ou on pourrait leur demander, hein, ils pourraient eux-mêmes, ou on pourrait leur demander
de sous-traiter une partie de leurs responsabilités en matière de recherche et notamment de réflexion collective en leur faisant miroiter comment dire, un effet bénéfique ou novateur de l'intelligence artificielle. Est-ce que quelqu'un a une réponse à la question de Jean Franco? Il y a Dominique qui veut intervenir, peut-être. Dominique? Il faut mettre son micro. Ouais, ton micro, Dominique, s'il te plaît. Sinon, avec les mains. Bon. Oui, sinon le langage des signes. Je pense que Jean-Franco pose un problème qui est un problème important et sur lequel il faudrait un peu travailler. Parce que ce qu'il faut remettre dans ce débat-là, c'est le moteur de tout ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a cette évolution-là et qu'est-ce qui fait que ça se passe? Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a des facteurs économiques, politiques, sociaux, etc., qui développent l'ensemble de ces questions-là. Bon, si je prends par exemple, tout à l'heure, comment Edgar a parlé de l'armée, quand je regarde une grosse partie de sur quoi travaille l'intelligence artificielle en France en liaison avec l'armée, ce sont des outils qui ont été expérimentés par le gouvernement israélien sur les Palestiniens et qu'on importe aujourd'hui pour utiliser ça pour, grosso modo, maîtriser la population. Donc là, il y a un gros problème de taille. Et du coup, comme on mélange tout en même temps, on va dire, bah, en médecine, c'est absolument déterminant l'intelligence artificielle. Alors oui, moi, je suis bien passé pour dire que si je n'avais pas eu recours à la technologie ultramoderne, je serais peut-être pas là tout de suite pour participer au débat. Sauf qu'on ne réduit pas la médecine à ça. Et Jean Franco a raison quand il dit, le généraliste aujourd'hui, c'est un aiguilleur. Hein. Il vous envoie sur le néphrologue, le cardiologue ou des choses comme ça. Et il a beaucoup de mal, en fait, à maîtriser tout ça. Et là, il y a une responsabilité des chercheurs parce que ils sont aveuglés. Alors, je me souviens quand on a commencé à étudier les génomes, on était tous et toutes aveuglés par cette histoire de génome. On était capable d'avoir une immense quantité de données qu'on ne pouvait pas maîtriser, etc. Aujourd'hui, vous interrogez les physiciens, et ben, la plupart des demandes d'ANR qui sont proposées, ça sera privilégié la recherche sur l'hydrogène, par exemple, et ses utilisations dans l'énergie, dans tout le reste. Et donc, du point de vue des chercheurs, il n'y a pas d'autonomie des chercheurs dans les laboratoires pour décider sur quoi ils vont travailler. Les programmes de recherche qui sont faits, ils sont sous-tendus par des orientations politiques et des orientations économiques. Ceux ou celles qui peuvent essayer d'échapper à ce rythme infernal, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. Après, sur la question de l'orientation politique de la recherche, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger, parce qu'on demande aussi à ce que la recherche soit faite pour répondre à des besoins sociétaux. Donc, tout dépend de ce qu'on met derrière l'orientation politique. Je voulais revenir sur un truc, parce qu'il y a l'IA, je trouve qu'il y a une particularité par rapport à d'autres développements technologiques massifs, comme l'ont été les OGM ou autres, les biotechnologies. C'est que dans le cas des biotechnologies, c'était des intérêts industriels essentiellement. L'État derrière, parce que le fleuron industriel aide aussi l'État dans sa croissance, etc. Mais dans l'IA, on voit aussi une convergence des forces privées et des forces publiques pour développer son usage. Dans la présentation du débat, j'ai mis un lien vers le rapport du Conseil d'État sur l'IA. Il préconise à mort l'utilisation de l'IA dans les services publics parce que je pense qu'ils font le constat on a besoin de moyens supplémentaires, on a besoin de pallier les défaillances de l'humain, d'avoir des outils pas chers, etc. Il y a un phénomène qui a convaincu le public beaucoup plus rapidement qui convainc le public, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres développements technologiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que je me trompe complètement? Ou est-ce que là, on est plus du tout dans une logique de, on a des gros intérêts capitalistiques qui vont tout dévaster? Parce que pour le coup, c'est pas que privé, l'intérêt pour l'IA, enfin l'intérêt démesuré pour l'IA, il n'est pas que privé. Quand on parle de contrôle des populations, par exemple, c'est pas des intérêts privés, c'est des intérêts publics qui peuvent être liés au privé, ou qui peuvent faire contribuer le privé. La puissance publique est très, très hypnotisée par l'IA aussi. Moi, il y a deux questions. Il y a la question de Gianfranco sur la recherche. Alors,
Parce que, enfin, je pense qu'il faut avoir une vision complètement globale, de dire, au départ, si on veut, les chercheurs, naturellement, quand on fait de la recherche dans le public, c'est pour participer à la création de connaissances validées ou de croyances justifiées, comme disent les épistémologues, c'est-à-dire, en fait, d'un travail de recherche qui va être revu par les pairs et qui va faire partie de controverses et de contestations. À côté de ça, il y a une notion de sens au sens d'une éthique vue comme une manière de se comporter dans une communauté donnée, quoi. À côté de ça, on a poussé progressivement, enfin, il y a eu deux forces qui sont parues au niveau de la recherche. C'est un, de mettre en place en fait une éthique de l'excellence ou de l'efficience, qui est en fait de chercher de mettre en place en fait un système qui trie les chercheurs et sélectionne en gros, et on retrouve dans le discours macronien actuellement en fait tout ce concept un peu là, et Antoine Petit au CNRS qui viennent de dire, j'ai pour les projets à risque, j'ai pas besoin en fait de faire un appel d'offres, je sais quels sont les bons chercheurs. C'est comme pour Deschamps, il sait quels sont les bons footballeurs, et donc moi je me considère comme Deschamps, et donc je sais où trouver les bons chercheurs. Et le point qu'il y avait, c'est qu'au départ, dans le monde entre guillemets idéal des sociétés scientifiques, qui n'était pas toujours idéal parce qu'il y avait un côté mafieux ou tout ce qu'on veut, mais il y avait une volonté de participer à la construction de connaissances validées dont le corpus constituait la science à un moment donné. Petit à petit, pour faire ça, il fallait que ce qui était un moyen, c'était en fait de diffuser cette connaissance en la publiant dans des journaux portés par ces sociétés scientifiques. Progressivement, il y a externalisation de ça vers des pôles éditoriaux dont le but, si on le regarde aujourd'hui, enfin, depuis une trentaine d'années, c'est plus de diffuser la connaissance, mais c'est de gagner de l'argent comme toute entreprise capitalistique avec un bien économique qui est l'article. Et ça a transformé aussi au niveau de la recherche, dans le sens où en utilisant cette éthique de la compétition et éthique de l'excellence, les indicateurs quantitatifs qui sont utilisés, c'est le nombre de publications. Et donc, c'est plus le fait de faire des connaissances validées et de les faire de manière transparente pour qu'elles soient, enfin, ou honnête pour qu'elles puissent être revues par les pairs, c'est de publier le plus possible pour, en fait, accélérer sa carrière en termes de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Et l'entrée du numérique a amené en fait quelque chose qui est assez nouveau dans les 10 dernières années, c'est que à partir du moment où le but n'est plus de faire de la connaissance validée, mais de publier des articles, et qu'on est mis en compétition en tant que chercheur, ben, naturellement apparaît une stratégie de survie, c'est-à-dire je vais faire en sorte en fait de publier le plus vite possible entre guillemets dans les meilleurs journaux. Comment je fais est de publier le plus possible. Bah, je vais donner les 4 dernières années, ce qui s'est passé. C'est un, bah, j'achète des signatures dans les articles, c'est-à-dire il y a des compagnies qui se sont montées pour vendre en fait les signatures, ou bien on reçoit, y compris aujourd'hui, des mails disant, ben voilà, si vous mettez sur votre papier, je vous donne 1 000 euros, enfin 1 000 dollars, et je co-signe votre papier, premier niveau. Deuxième niveau, ben, c'est de faire des papiers complètement cohérents, mais inventés. Ben, c'est ce qui s'est monté depuis 4 ans, c'est ce qu'on appelle les usines à papier, les paper mills. En gros, on téléphone à une société, on lui dit, voilà, je veux que dans 4 mois ou 3 mois, vous m'ayez écrit un papier qui montre ça, et la boîte a en fait ses ghostwriters, elle fabrique les figures, elle fabrique les données. On considère actuellement que dans la plupart des journaux, aujourd'hui, il y a 30% des papiers reçus par les journaux qui proviennent de ces usines à papier, dans les domaines des sciences expérimentales. Et l'étape d'après qui a été transcrite, c'est que
Ben, il suffit effectivement de demander à ChatGPT de faire un papier et de faire en fait les données, de fabriquer les données qui sont cohérentes avec le papier. Je crois qu'il y a 2, 3 mois, ça a été fait comme une expérience et ça a été peer review sans aucun problème, etc. Le dernier point, c'est qu'on utilise autre chose que simplement le nombre de papiers et les citations. Donc, ça a été dans le dernier point, c'est d'arriver en fait à hacker le système pour augmenter son nombre de citations sur un papier donné. Et ça, c'est un chercheur de Toulouse qui s'appelle Guillaume Cavagnac qui fait un certain nombre de logiciels pour essayer de repérer soit les papiers qui ont été fabriqués et qui ont des phrases torturées, et puis plus récemment a montré ben, que dans certains cas, on arrivait à hacker le système pour s'augmenter son nombre de citations et donc s'augmenter son H-index. C'est-à-dire qu'à moins de 50 ans pratiquement, et c'est le numérique et l'IA, mais enfin, qui ont été utilisés comme moyen, on est passé d'un système où la logique, le sens de la recherche, c'était de faire des connaissances validées, à le sens de la recherche, c'est de faire le plus de papiers possible et d'avoir le plus de citations possible. Nous, c'est porteur d'espoir. Forcément, les choses vont bouger. Ben oui, c'est-à-dire actuellement, que ce soit au niveau européen, il y a un article qui est sorti d'une équipe anglaise qui est le constat, c'est de dire le système de publication est arrivé en fait à son terme, et donc en fait, il faut obligatoirement qu'on se mette à réfléchir pour remplacer ces systèmes-là. Et en fait, c'est de considérer que ben, les papiers, les connaissances, enfin la diffusion des connaissances est un bien commun et que ce bien commun, il doit être cogéré comme un bien commun par la communauté scientifique et pas par des pôles éditoriaux capitalistes. Et pour ça, ben, il y a, je crois, 10 jours ou 15 jours, l'Europe a fait même des propositions allant dans des sciences ouvertes de type diamant, hein, c'est-à-dire où ni le lecteur ni l'auteur paye avec accès ouvert pour arriver, alors avec toute la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Europe et justement des stratégies de Lisbonne qui est l'économie de la connaissance, mais avec le fait que c'est tellement la catastrophe actuellement qu'il y a obligatoirement besoin de changer. Et donc, c'est le deuxième axe, je dirais, c'est que au niveau militant, c'est d'accompagner en fait cette table rase et d'essayer d'être le plus contre-propositionnel possible, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de contre-propositions, quoi. Mon pari, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de contre-propositions et les quelques qu'il peut y avoir, en fait, peuvent faire changer les choses. Enfin, c'est mon côté optimiste pour pas sombrer dans l'alcool, quoi. Anna voulait intervenir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup déjà. Donc, je suis étudiante en sciences cognitives et je suis venue ce soir parce que le thème m'intéresse particulièrement. Donc, j'avais compris plus étudier l'IA et le vivant, avec le vivant dans le sens des êtres vivants. Donc, au-delà de la médecine, je suis très intéressée par l'écologie. Et donc, je m'intéressais surtout du point de vue militant et des engagements. Donc, en fait, c'est une transition parfaite avec ce qu'on vient de dire. Justement, j'ai effectivement pu constater qu'il y a un intérêt du public, comme c'était proposé par Glenn tout à l'heure, un peu plus tôt, pour utiliser l'intelligence artificielle en lien avec l'écologie dans plein de domaines différents. Et je me posais des questions dans le rôle qu'ont les chercheurs ou chercheuses déjà par rapport à ça. Quelle est la position qu'on peut avoir? Par exemple, on se posait des questions sur les données, l'utilisation des données, donc par rapport à nous. On disait plutôt que les humains font partie de la machine, qu'on utilise nos données, etc. Est-ce que si on étudie les autres espèces vivantes, dans quelle position on se place par rapport à eux aussi, les informations qu'on va récolter par rapport à elles et eux? Est-ce qu'il y a des droits ou des choses qui sont à prendre en compte de ce point de vue-là? Donc j'étais aussi intéressée par cette partie-là.
Et aussi par rapport à justement l'ouverture des données, qui pourrait être une contre-proposition intéressante dans l'idée de la transparence, d'être plus transparent dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et la façon dont elle fonctionne. Est-ce que vous avez des perspectives ou des commentaires sur ces deux choses-là? Merci beaucoup. En tout cas, les conférences et débats sont très intéressants. Merci Anna. Est-ce que quelqu'un a des réponses à donner à Anna? Des pistes de réflexion à donner à Anna? Mais sur la question, enfin, juste, c'est pas une très Oui, grande piste, mais Marie-Yvonne. au niveau européen, par exemple, la principale critique qui a été faite, ou en tout cas le principal support dont ils s'entendent se servir pour la régulation, c'est le respect du RGPD, donc c'est un peu limité. Ça va être le droit de la propriété intellectuelle. Dans quelle mesure ChatGPT va piller les droits intellectuels? Donc c'est vraiment très 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 limité en termes de régulation ou en termes d'analyse de ce que des conséquences que peut avoir l'IA, que ce soit positif ou négatif. Et la plainte récente de l'équivalent de la CNIL en Italie par rapport à ChatGPT, c'est typiquement là-dessus. Oui, c'est ça, c'est sur un GPD. Dominique? Il y avait Marie-Vonne qui voulait parler, je crois, sinon. Je n'ai pas les Oui, mains. non, mais vas-y, Dominique, c'est simplement par rapport à l'intervention d'Anna sur, si j'ai bien compris, les rapports avec les non-humains, c'est cela, Anna? Oui, tout à fait. Voilà, oui. Bon, donc vas-y, Dominique, j'interviendrai Non, après. non, non, mais vas-y, 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 réponds. Oh bah, alors, ça va pas être une réponse, mais en ce moment, beaucoup de recherches s'intéressent justement au rapport humain-non-humain. Il n'y a pas que Philippe Descola qui s'en intéresse. La question, c'est quand c'est des humains qui parlent avec des non-humains, bah les choses sont biaisées parce que on peut apprendre des tas de mots aux non-humains, enfin aux animaux domestiques par exemple, de répéter, d'imiter des sons, etc. Mais on sait assez peu de choses sur la communication animale au sein d'une même espèce. Ce qu'on sait, c'est que la transmission, ça marche pas si bien que ça. Ça, on le sait. Mais en tout cas, la question se pose pour les mondes à venir, à savoir le respect des non-humains dans les réflexions sur l'intelligence. Ça, c'est indéniable. Alors après, il faut éviter les projections, mais il y a eu pas mal de travaux. Moi, j'avais assisté à un congrès à Nancy de sciences cognitives sur justement, enfin c'est l'ARCO, hein, l'Association de recherche sciences cognitives, et les actes du congrès sont parus, si ma mémoire est bonne, dans Intellectica, et les Intellectica des 3 années sont disponibles en accès libre. Voilà. C'était notamment sur le comportement de la pieuvre et le comportement des rats, qui sont des comportements que pour les rats très communautaires. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est une vraie question qui se pose. Aujourd'hui, il y a même une revue qui va paraître, dont le premier numéro, bah, j'interviens dedans avec mes collègues, mais c'est une revue qui va s'intituler au classique Garnier. Elle va s'intituler Sémiotique des cultures, en parlant de la culture non humaine. Voilà. Et donc, j'avais pas vu que c'était destiné aussi au rapport avec les non-humains, mais c'est vrai qu'il y a les ouvrages de Fono Excul, enfin, il n'en a pas écrit beaucoup, que vous devez connaître, je pense, Anna, non? Oui, effectivement, j'en ai lu Voilà, voilà. Ouais, quelques-uns. c'était des ouvrages assez, enfin, bon, assez intéressant. Et une grosse partie des travaux de Francesco Varella et d'Umberto Maturana ont pris en compte les écrits de Fono Excul. On Donc, n'hésitez pas à mettre des liens, des sources, des... ouais. Ouais, Mais je ce qui serait sympa, c'est que tous les gens qui sont intéressés pour continuer le débat soient d'accord pour donner leurs coordonnées au moins numériques à Sciences Citoyennes et qu'on fasse un groupe de discussion pour voir après comment on pourrait. Donc, c'est pour ça, c'est interne-externe, mais je crois que c'est une façon pour Sciences Citoyennes de s'ouvrir et de voir sous quelle forme on pourrait, avec Sciences Citoyennes, que l'on soit adhérent ou pas, continuer et poursuivre le débat auprès d'autres aussi regroupements de chercheurs qui se les posent. Voilà. C'est la proposition que je fais puisqu'on arrive à la fin du débat. Il y a encore deux personnes avant cette phase-là, mais À la fin. Donc, Dominique, tu voulais. Non? Dominique, sur Pidgey.
Deux choses. Ce que tu viens de dire, c'est une excellente occasion pour dire qu'il existe en sciences citoyennes un groupe de travail qui s'appelait intelligence artificielle, qui avait plutôt tendance à vivoter. Quand je dis vivoter, bon, ça peut être une excellente occasion de revivifier ce groupe de travail et de l'ouvrir à des personnes qui ne sont pas forcément de sciences citoyennes. Là où je voulais parler, c'est que c'est un peu étonnant qu'on n'en ait pas abordé la question ce soir, mais c'est le coût technologique de l'intelligence artificielle. En termes de, par exemple, les serveurs, les programmes d'apprentissage profond, etc., d'essayer de quantifier. Alors, je sais que ça commence à être fait par l'Agence internationale de l'énergie, parce que pour elle, ça va commencer à poser un énorme problème, qui est que ce sont des systèmes qui sont absolument catastrophiques en termes de consommation électrique, en termes de consommation d'eau, en termes de condensation de matériaux et de terres rares, etc. Et qui fait qu'on ne peut pas aborder l'intelligence artificielle si on n'intègre pas cette question, qui est une question à laquelle l'humanité va être confrontée sur l'énergie, sur l'eau, sur les implantations, etc. Macron, s'il va en Azerbaïdjan, c'est pas seulement pour aller négocier la future COP qui sera dirigée encore par un pétrolier, c'est pas non plus seulement pour aller mégoter quelques kilos d'uranium dans les sous-sols de l'Azerbaïdjan, mais c'est aussi le fait que c'est un endroit idéal pour construire des data centers à cause du climat, etc., etc., et de l'eau qui est présente. Là, ça va poser. Enfin, et rarement on aborde cette question du coût social de l'intelligence artificielle, en termes énergétiques, entre autres. Merci Dominique. Gilles, pour peut-être une dernière intervention, puis ensuite on aura un petit quart d'heure pour discuter justement des suites à donner, des potentielles suites à donner. Ok, merci. Moi, c'était, ben, je revenais en fait sur la réflexion d'Anna, que j'ai trouvée très intéressante. Moi, pour ma part, ça m'a amené à me demander si en fait l'IA serait un moyen d'hyper respecter les non-vivants ou un moyen de les hyper exploiter. Et je pense que vu la manière dont l'IA est manipulée, ça risque d'aller plutôt dans le sens d'une hyper-exploitation. Donc, oui, moi je trouve que la réflexion d'Anna était très intéressante et que c'est vraiment un champ important auquel s'intéresser en tant qu'humain, parce que pour le coup, les non-humains, ils auront juste leur. Je sais pas, non, pas tous des yeux d'ailleurs, mais enfin, ils auront leur récepteur sensoriel pour souffrir de la mauvaise utilisation qui sera faite de l'IA à leur encontre. Ouais. Donc, merci Anna. Ouais. Il y a des travaux en droit sur la question de la personne morale naturelle, mais je ne pense pas qu'ils aient exploré cet aspect-là. Donc, il est presque 20h15. Je vous propose de passer à la dernière phase de cette discussion qui est on en fait quoi de tout ça? Donc, il y a des pistes qui ont été proposées qui sont de bon sens, qui est de partager nos sources bibliographiques. Donc, n'hésitez pas à remplir le pad avec des pistes qui pourraient être utiles pour tout le monde. Et il y avait l'autre option qui est proposée de relancer le groupe de travail qu'on a créé il y a quelques années, mais sans grand succès sur l'IA, sachant que le sujet est très vaste. Donc il y aura une mission qui sera peut-être pas forcément de le confiner, mais en tout cas de le séquencer, ou en tout cas de définir le contour des travaux qui sera envisagé. Et j'ai mis aussi une section à la fin sur le pad pour que vous puissiez indiquer vos adresses mail si vous voulez participer à ce groupe de travail, notamment. Jean-Franco? Ton micro. Le projet de Marivonne, c'était de faire un groupe de discussion. Alors, est-ce que ça convient à Marivonne que ça soit dans un groupe déjà de sciences citoyennes, ou est-ce que le fait de le mettre dans un groupe de sciences citoyennes, ce qui est peut-être une bonne idée pour réanimer le groupe, ne va pas créer un espèce de corset qui ne correspondrait pas à un réel groupe de discussion? Est-ce que ça ne serait pas bien de commencer par un groupe de discussion et ensuite voir après dans quelle mesure ça peut se raccorder au groupe de sciences citoyennes. Voilà. Ben déjà, ça, c'est que je réagis toujours par rapport à quand il y a des projets un petit peu larges comme ça au départ, c'est déjà on essaie de les caser dans quelque chose qui existe déjà
Et c'est pas bon, quoi. Pour moi, c'est pas très bon. Voilà. Donc, alors, je reviens à l'histoire de la, comment dire, de la transversalité dans le monde de la recherche. Là, on avait dit tout à l'heure, puis ça, bon, c'est connu tout le monde, c'est que les gens qui ont plusieurs casquettes, ils n'arrivent pas à se valoriser, alors que ce sont des gens qui sont indispensables. Alors, je reprendrai plus la formule, pareil, de je crois, c'est un psychologue russe, Vygotsky, je me souviens plus de son prénom, qui avait dit que le caractéristique du cerveau humain, ce n'était pas les capacités sensorielles, parce que n'importe quel animal, on trouve toujours des animaux qui ont des capacités sensorielles supérieures aux nôtres. Par contre, c'était la taille de ses aires associatives. Hein, donc, c'était la capacité, justement, de mettre en rapport des choses avec les autres. Et je trouve que dans le milieu des associations, dans le milieu de la recherche, il y a des gens qui se comportent comme ça ou qui ont une psychologie de ce type-là, hein, qui sont incapables de se spécialiser. Par contre, ils ont cette capacité de comprendre différentes choses et puis de les assembler et d'être des liens entre les différentes personnes. Et ça, c'est des gens indispensables qu'on ne voit pas et qui ne méritent pas la place qu'ils devraient avoir. Alors, est-ce que justement le fait de faire fuir ce genre de personnes et de monter des structures uniquement avec des piliers sans système transversaux, est-ce qu'on ne va pas justement à un moment donné faire le constat et sous-traiter ça justement à l'intelligence artificielle? Juste pour par rapport au groupe de travail, il n'a pas de règles de fonctionnement, donc il peut très bien démarrer sous forme de groupe de discussion et s'il se fixe un cadre de travail, ensuite se transforme en groupe de travail. On n'a pas de ça serait un corset s'il avait déjà une activité soutenue et qu'il avait du mal à évoluer, mais en l'occurrence, il est à l'arrêt depuis quelques années, donc on peut redémarrer d'une page blanche. D'accord, bon, c'est bon. Et est-ce que je me permets de poser une question parce que c'est la première fois que je participe à une conférence de sciences citoyennes et la première fois que je suis en contact avec l'association par ce biais. Est-ce que si je voudrais m'intéresser plus en longueur à ce groupe de travail, il faudrait que j'intègre l'association d'une façon ou d'une autre? C'est pas une règle. C'est pareil, il y a des groupes de travail qui sont plutôt internes, mais il y a des groupes de travail qui regroupent des personnes aussi extérieures à l'association, parce qu'on n'a pas toutes les ressources en interne, donc c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin D'accord, d'adhérer, c'est merci. pas chouette, mais c'est pas une règle. Merci. Moi, je crois qu'il faut commencer par faire quelque chose d'ouvert et puis après, mais on peut discuter d'une manière plus restreinte, même si c'est ouvert, sur quelles orientations, parce qu'on ne peut pas partir sur tout. Il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas trop hétérogène quand même. Enfin, voilà, ce l'IA, c'est un vaste sujet. Mais qu'on ait des réponses qui soient des réponses citoyennes. Ça, C'est ce qu'on a c'est voulu faire ce très soir, hein. important. Mais on n'a pas. Comment? C'est ce qu'on a voulu faire ce soir, essayer de Ouais. restreindre un peu la discussion, mais ça n'a pas été efficace. Ouais. Bah, c'est réussi d'une certaine façon. Ouais, on n'a pas beaucoup abordé le vivant. Oh, si, les humains, c'est du vivant, hein, je vais te dire. D'accord. C'est pour ça que je me suis permise de donner la citation de Ricoeur quand il a répondu à Changeux que le cerveau ne pensait pas, je pense. L'organe du langage, c'est la pointe des cheveux jusqu'à la plante des doigts de pied, comme de tout être vivant. Tous les êtres vivants n'ont pas des cheveux. Oui, ben ils peuvent avoir des poils. Puis dans chez les humains, il y en a qui sont chauves, je sais, Dominique. Que peut-être il y a des personnes qui ne s'étaient pas exprimées jusqu'à présent qui... Non, mais très bien, très bien, très bien. Ouais. Est-ce que celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, des questions, des envies? Des critiques? Des critiques. Ça reste encore possible pendant 10 minutes. Et au-delà, dans le groupe de travail, si vous souhaitez le rejoindre. Pour l'instant, il n'y a que Dominique dans le groupe de travail, donc il va se sentir un petit peu seul. C'est ce qu'il fallait faire, écrire son nom, c'est bien ça. Oui, complètement, son mail, pour qu'on puisse vous recontacter, vous ajouter au groupe. Mais tu y es déjà, toi. Ah non. Ça va être pratique pour le présentiel, en tout cas. Jean-Franco? Là, puisque personne ne parle, c'est une réponse par rapport à Anna. C'est-à-dire, c'est une question, est-ce que vous avez lu tous les travaux, enfin tous les pas tous les travaux, parce que c'est énorme, hein, depuis une quarantaine d'années.
des travaux d'éthologues, hein, que ce soit en primatologie ou en tout un tas d'autres espèces, parce que justement, ça peut en répondre en partie à la question. C'est-à-dire, quand il y en a beaucoup qui sont allés jusqu'à justement se poser cette question-là, hein, comment les animaux nous voient? Hein, parce que, par exemple, quand on fait faire des expériences à un animal qui a une, disons, des niveaux de cognition qu'on considère comme supérieurs, encore là, on peut se tromper, on s'aperçoit que des fois, l'animal comprend comment dire, le travail qu'on veut lui faire faire, mais il nous fait comprendre qu'il veut le faire à sa façon. Donc, on a beaucoup progressé depuis une trentaine d'années où on refusait l'intentionnalité à beaucoup d'animaux, alors qu'on voit que ça en arrive au point de se dire s'il y a peut-être une proto-conscience ou en tout cas des capacités d'analyse qui dépassent largement ce qu'on pensait, quoi. Voilà, donc ça fait baver un petit peu la frontière. Alors maintenant, d'un autre côté, on ne se pose pas la question de savoir comment meurent des poissons au fond d'un filet. Je veux dire, il y a des dégradations aussi dans la prise de conscience de ce que peut être un animal sensible ou ayant une conscience. Et puis, voir aussi comment les êtres humains se traitent entre eux. Je veux dire, il y a aussi des situations dans lesquelles on déshumanise les gens justement pour les mettre dans une situation où on n'a pas ce devoir de leur porter secours ou comment dire, qui justifie des dépouillements extrêmes. Mais ça peut être la lecture des éthologues, ça donne beaucoup, beaucoup d'informations. Et il y a une espèce de combat d'ailleurs entre éthologues et anthropologues. À chaque fois que les éthologues trouvent des caractéristiques aux animaux qu'on pensait qu'ils n'avaient pas, automatiquement, les anthropologues ont tendance à essayer de se distancer, de trouver des capacités à l'être humain. Et donc, ça les pousse un peu dans leur retranchement et c'est intéressant. C'est une espèce de petit conflit qui donne des résultats intéressants côté anthropologie. Si tu as des pistes bibliographiques, n'hésite pas à les mettre sur le pad également. Parce que le Mettre chat sur le va pad. disparaître à la fin de la session, mais le pad, lui, D'accord. restera ouvert. Ok. Ça marche. Alors, est-ce que vous avez des commentaires sur la direction que pourrait prendre ce groupe de travail, par exemple, si on veut aller un peu plus avant sur la suite? Comme Paul Ricoeur a été cité et que c'est lui qui a fait une définition de l'éthique que je trouve la plus appropriée, etc. Je pense que dans le groupe de travail, enfin, on peut pas discuter de l'IA d'une vision globale de l'interaction environnement-organisme, donc ces concepts d'inaction qui ont été mis en avant, etc. Sans parler d'éthique. Et sans parler en fait d'une part des valeurs qui vont être l'éthique, si je fais une analogie, c'est une boussole et des cartes pour permettre en fait de définir son comportement dans un contexte donné. Et ces boussoles, le champ magnétique, c'est les valeurs qu'on met en avant, quoi. Bon. Et il y a un deuxième point, c'est que dans tout ce qui a été dit, on n'a pas parlé du fait que c'est pas un clivage, mais soit on considère en fait qu'on existe à cause des relations avec les autres, que ça soit humain ou non humain, et que donc on est dans ce qu'on appellerait une classe d'équivalence en termes de mathématiques, ou bien en fait si on considère les relations d'ordre et qu'on essaie en fait de se trier les uns par rapport aux autres et de considérer que l'être humain en fait se trouve au sommet d'une pyramide avec une réflexion très pyramidale, quoi. Et ça fait partie, je pense que c'est en partie ce type de réflexion un peu soulevée par Anna aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on est en fait sur... Il y a une volonté très anthropocentrée quand on considère en fait l'éthique. Est-ce qu'on est sur une volonté qui est on veut sauver l'humanité, point final, sans prendre en compte en fait l'ensemble de la biosphère et donc de l'ensemble des êtres vivants? Est-ce qu'en fait justement l'avancée y compris des connaissances
comme disait Dominique, c'est pas simplement le génome qui permet de prédire et d'être totalement enfin, et de donner en fait une forme déterministe à ce qui se passe, quoi. Il y a cette interaction avec l'environnement. Et ça, en fait, à mon sens, c'est une réflexion aussi qui doit réfléchir sur l'IA, c'est réfléchir aussi sur toutes les problématiques éthiques associées. Et ce que je mets derrière éthique, c'est la manière de se comporter vis-à-vis de l'autre et d'avoir un comportement réflexif en prenant en compte aussi les normes professionnelles ou les contraintes définies par les institutions dans lesquelles on vit, quoi. Ivan? Ah, pardon, t'avais fini? S'il n'y a personne d'autre, je vais dire, c'est vrai, mais en matière, alors l'éthique, ça va avec la responsabilité, hein, tu l'as tout à fait bien dit, ça va, c'est notamment Chéricœur, pas que, mais c'est Chéricœur. Mais les baleines, toutes les, enfin, je dis les baleines, etc., vont avoir beaucoup de mal à faire passer des lois, à faire valoir des droits. C'est pour ça que l'espèce humaine a une responsabilité particulière. Ben, ça, on ne peut pas le nier. Elle a cette responsabilité. Les baleines n'ont pas la conscience globale. Elles subissent le réchauffement climatique, la surpêche et autres. Enfin, je dis les baleines comme beaucoup d'espèces. Mais cette conscience globale collective de la fin des espèces vivantes sur cette planète dans un horizon assez rapproché et de toute façon de leur massacre depuis des dizaines d'années, c'est d'abord, et d'un, l'espèce humaine qui en est responsable, et de deux, l'espèce humaine qui en a la responsabilité, enfin, au sens juridique du terme. S'il y a des droits, des choses à faire passer, c'est effectivement notre espèce qui en est, qui l'a en charge. Je ne vois vraiment pas qui d'autre l'a. Hein. Voilà. Mais c'est une remarque peut-être basique, mais bon. Enfin, je ne sais pas si on doit partir là-dessus. Moi, je veux bien qu'on parte sur éthique et responsabilité face à l'IA. Hein. C'est une façon de partir. Hein. Comme vous voulez. On Bon, en peut tout cas, faire. pour l'instant, il nous reste 2 minutes. N'hésitez pas à rajouter votre nom. Là, j'ai rajouté ton nom, Jacques, sur la liste du GTIA. Il y a un certain nombre, une quinzaine de personnes. Je ne sais pas si tout le monde Je sera l'avais déjà content. mis. Hein. Oui, mais je l'ai mis sur la liste de diffusion, la liste de Ah, diffusion. d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des associations qui travaillent déjà sur ces sujets, éthique et responsabilité face à l'IA? Il y a Des chercheurs, oui, je pense, mais des ouais. assos. Bah, je suis en train de réfléchir. Je pense que oui, mais j'ai pas de nom précis à te donner tout de suite, mais enfin, c'est un truc que je peux regarder. Ouais. Je pense que ça existe, ouais. Il y a ne serait-ce que le labo allemand à Munich là, qui nous avait contacté sur le projet européen qui travaille dessus. Oui, c'est des labos, c'est des chercheurs, donc je Ouais, reviens. mais ils ont fait pas mal de projets, donc ils ont peut-être aussi des pistes. Parce que si on reste sur le terrain français, on va peut-être tourner un petit peu en rond, on va peut-être des pistes à trouver aussi. Au niveau Ouais, européen, au ouais. niveau européen. Mais je pense que parmi toutes les associations de MESR, c'est à poser, la question est à poser. Hein. Je sais pas si Ingénieurs sans frontières Y a Ping qui travaille peut-être un ou peu Ping, là-dessus. voilà ça, par exemple. Ouais. Ouais, c'est Il y vrai a que ça serait quelqu'un dans le intéressant de chat. recenser, oui. Il y a une question de Dominique P. dans le chat qui nous remercie pour ces échanges. Ce qui le gêne terriblement et qu'il constate quotidiennement avec le numérique imposé partout jusqu'au paiement, c'est la confiance aveugle qui encourage à ne plus rien contrôler. Qu'en pensez-vous? C'est un débat à part entière, je pense. Ouais, mais c'est il y a un papier, enfin il y a un truc, il y a une réflexion intéressante qui est en fait quand on a confiance, il n'y a pas besoin de transparence parce qu'on a confiance. Et la montée de la transparence, c'est en fait c'est plutôt un symptôme de perte de confiance. Donc je suis pas sûr. Je pense que dans cet équilibre qui existe, il y a peut-être en fait le fait de faire tellement confiance en fait aux machines, et la même question peut se poser sur les conduites autonomes, avec, enfin, tout ce qui va être en fait des dispositifs autonomes,
Et je suis pas sûr qu'il y ait une confiance totale si en même temps il y a une méfiance en fait contre la communauté scientifique et la société considérant qu'un certain nombre de ces dispositifs viennent de la communauté scientifique. Je pense qu'il y a en fait une balance entre défiance et confiance. Et je pense que si on fait, si, enfin, dans un certain cas, s'il y a une trop grande confiance, c'est aussi une forme de paresse. Dominique, pour le mot de la fin, il est Non, ça 20h30. sera pas le mot de la fin. Enfin, j'en sais Voilà. rien. Mais dans la perspective de travailler collectivement, j'aimerais raccrocher le citoyen dans Sciences Citoyennes. Parce que il faudrait pas qu'on travaille de l'intelligence artificielle, de faire de l'entre-soi là-dessus, entre chercheurs, des choses comme ça, et d'essayer de voir comment Sciences Citoyennes se lie aux citoyens pour poser ces questions-là. Et comme dirait l'autre, les premières victimes de l'intelligence artificielle, c'est pas nous. Hein, ça va être l'ensemble des citoyens et plutôt les derniers de corvée, comme dirait l'autre. Hein. Et de ce point de vue-là, moi j'ai tendance à dire en ce moment, les premiers concernés doivent aussi avoir la parole et doivent les premiers à s'organiser. Donc il ne faut pas penser à la place des autres. Donc il faut arriver à faire en sorte qu'on se lie pas seulement avec des chercheurs, mais avec les rouages de la société. Et là, ce n'est pas facile, parce qu'à la limite, c'est plus facile de discuter de manière générale de l'intelligence artificielle que de discuter de l'intelligence artificielle, par exemple, quand on est dans un quartier populaire avec une majorité d'immigrés. Comment on pose le problème, comment on en discute et comment on le prend en charge. Là, à mon avis, c'est le rôle de Sciences Citoyennes. Et là, on a du boulot. Ben on compte sur toi, Dominique. L'intelligence artificielle, pour la majorité des gens, c'est le smartphone. C'est l'outil de base que tout le monde a dans une main. Alors, l'humain est devenu avec un seul bras maintenant. Un doigt, hein, juste un doigt. Juste un doigt, oui. La poussette de Michel Serres. Il y a Sylvie Sauvage qui demande si l'IA est toujours de la science au vu de ses utilisations techniques. Je propose qu'on garde ça comme Ouais. piste de réflexion, Moi, notamment c'est pour. de la technologie. Hein. Il y avait des guillemets à la technique, donc du coup, ça Ouais. l'inclut. Par contre, il y a des données, il y a des recherches, il y a derrière, il y a des maths et tout ça. Mais l'IA, pour moi, c'est de la technologie. En tout cas, merci, merci Jacques pour l'introduction très très riche. Donc, tu nous enverras le PowerPoint qu'on puisse le mettre à Je peux disposition. le donner tout de suite. Ouais. D'accord? On a vos coordonnées, donc on pourra vous l'envoyer par mail. J'ai inscrit, enfin, je t'inscris Jacques, je t'inscris aussi Anna sur le groupe de travail intelligence artificielle. J'enverrai juste un petit mot pour que vous ayez l'adresse et que vous puissiez échanger déjà pour peut-être définir une date pour une première discussion. Et merci à tout le Le même monde pour. intitulé Claude Liste. Comment? On garde le même intitulé. Ah bah, on a une Oui, liste avec des gens dedans, donc il n'y a pas beaucoup d'autres. voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a sur certaines fois, mais je vous envoie un mail pour que vous voyez l'adresse. Et merci à tout le monde pour votre participation active. Et on aura un prochain débat, alors on appelle ça des débats adhérents, mais en fait ils sont ouverts en dehors du cadre des adhérents, qui sera sur l'autoritarisme. Donc il y aura peut-être des jonctions avec l'IA, mais il sera assez spécifique. Et il aura lieu le 14 mars et on communiquera prochainement dessus. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.